Et y a tout le monde et bienvenue, c'est Blue, et on se retrouve bien pour l'épisode numéro 96 de ce let's play de Monster Hunter World Iceborne. Yes! La dernière fois, dans l'épisode 95, nous avions fait une petite arène spéciale de Xinogre, et donc pour l'instant, nous n'avons plus de quête, je n'ai pas monté davantage de rang maître, donc j'ai pas encore débloqué voilà, la quête qui va tout me débloquer, entre guillemets. Mais ça n'empêche qu'on peut faire quand même des petites choses, n'est-ce pas? Telles que des quêtes spéciales, des missions spéciales, je sais pas, ouais. Donc on va voir, voyage. Comment te sens-tu? Désolé pour cette requête urgente, mais je suis tombé sur quelque chose de troublant dans le fief glorieux. En résumé, deux régions inexplorées. Si possible, j'aimerais qu'on se sépare pour explorer le fief glorieux. Ton aide sera la bienvenue. Ton assistante s'occupera des formalités. Rendez-vous dans la zone 1 dès que tu seras prêt. J'ai trouvé une ouverture étrange qui ressemble à un chemin. J'aimerais que tu y jettes un œil avec ton assistante. J'enquêterai sur l'autre zone avec l'amiral. À long terme, ces changements de terrain ne sont pas inhabituels. Mais tout de même curieux. C'est comme si l'énergie du fief glorieux lui-même était en train de vibrer. Mais assez parlé. Allons voir par nous-mêmes ce que le fief glorieux nous réserve. Bonne chance, chasseur. Mystère et boule de gomme. Un nouveau chemin mystérieux a été découvert dans la zone 1 du fief glorieux. Pour commencer l'investigation, acceptez la mission spéciale sortir des sentiers battus. Pour recevoir une mission spéciale, Tu te repars? Excusez-moi. Accorde-moi quelques instants, on m'a rapporté que tu as triomphé de toutes les épreuves contre. Ah, d'accord. Un territoire inconnu requiert un courage énorme et manifestement tu n'en manques pas. Je te félicite, étoile de saphir. Ah, merci, hein. Alors, du coup, nouvelle quête. Rang maître spécial, sortir des sentiers battus. Le fief glorieux. Ok. Voyageur, nous avons découvert une nouvelle zone dans le fief glorieux. Même les monstres font preuve de prudence. Cela ne constitue peut-être pas un problème à long terme, mais nous devrions toutefois enquêter. Pas de problème. Alors, parlons stuff. Du coup, toujours la même armure, colis spirituel, cap d'évasion plus, café immuable plus. Mais je suis passé à Jardin du Diable 2, qui est la morphouache en pouquet-pouquet, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai légèrement transcendé, vraiment pas grand chose parce que j'ai pas encore suffisamment farmé dans le fief glorieux. Mais bon, du coup, on va voir. Donc 840 d'attaque, tranchant blanc, 660 de poison. Et j'ai du coup un bonus de défense que j'ai pu mettre dessus. Donc je vais pouvoir sûrement booster davantage plus tard cette arme, rajouter, je sais pas, de la défense, de l'attaque, des choses diverses et variées. Mais dans tous les cas, ça me fait un petit boost. Voilà, je vais sûrement taper du monstre, donc si je peux avoir un petit peu plus de défense. D'ailleurs, vis-à-vis de mon armure, j'ai pu transcender toutes les parties aussi, mais j'ai pas encore tout amélioré à fond. J'ai amélioré une partie à fond, donc je sais que ça va jusqu'à 198 de défense. Il y a une autre partie que j'ai mis à 192, et du coup, grâce au petit bonus de défense que j'ai sur mon arme, je suis presque à 1000 de défense. Il m'en manque 6, hein. C'est vraiment pour pas dire que je suis à 1000 de défense. Mais bon. Sinon la sacoche, bon, j'ai retenu quand même que c'était une nouvelle zone, donc j'ai quand même pris les boissons. Sachant qu'il y a déjà une zone volcanique, j'imagine qu'il me manque une zone où il fait froid. Donc on va voir. Si c'est un nouveau monstre que j'affronte, ce qui sera probablement le cas, j'imagine, j'ai pris de quoi capturer, j'ai pris des bombes si mon chat endort, si bien sûr il ne s'agit pas d'un dragon ancien dans l'idée. Mais voilà, puis les besoins, on sait jamais, j'aurais peut-être prendre des remèdes d'herbe. Ah, c'est pas grave. Bon, on va faire comme ça et puis prout. Sur ce, eh bien, allons-y. Sortir des sentiers. Regarde, il y a un chemin ici. Eh ben écoute. Ouais, mais attends, avant d'y aller, est-ce que j'ai le droit à quelque chose, moi? Ah, quand même. Merci. Rencontrer l'assistant. Donc, faut bêtement que j'aille au-dessus, là. Partenaire. Est-ce que c'est moi qui rêve ou cette ouverture n'était pas là avant? Pouf, il fait vraiment très froid tout d'un coup. À s'y méprendre aux terres perdues. D'abord une région volcanique, et maintenant, voilà qu'on se retrouve dans cet endroit.
C'est vraiment super excitant. Oh, waouh! Ces écofacts, on dirait qu'ils irradient de l'énergie. Oh. Une minute. Il n'y a pas d'erreur possible. Ils appartiennent à une sous-espèce de dinogre. Je retourne au camp, partenaire. Continue l'investigation de ton côté, d'accord? Ces sinistres éclairs noirs et cette redoutable aura rouge. Pas de doute, c'est un dinogre stygien. Il y a eu des témoignages de sa présence ici. J'espère que tu as apporté des besoins. Ok, bah je suppose que c'est parti du coup. Bonjour. Ok, j'aurais peut-être dû mettre. Oh là là. Donc Stygien. Alors attends. Est-ce que. Ah, mais... ah si, il y a des explosions cristallines. Heureusement. Excellent tout ça. Wouhou. Yes, on va commencer comme ça. Bah, je vais peut-être bourrer la tête, je sais pas. Allons-y. Cette vite à cap. Assez gentil, mais pas encore. Patience. Ah bon. Ah, je l'ai empoisonné, nice. Top, stop. Allez. What? What? Oh non, mais j'ai pris le truc. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà mis le poison, au pire, c'est pas trop dramatique. Mais quand même. Allez, on s'enlève ça peut-être. Il peut aussi péter super balèzement. Mais attends, mais il fait des trucs super gênants en fait. Ouf, pas gentil. Bon, oh, oui, oui, oui. Bon, je suis chargé. Je vais aller là. C'est pas super malin parce que j'ai pas toute ma vie. Badaboum! Bah non! Oh merci, chat. J'ai. Bon, de toute façon, il va s'énerver dans pas longtemps. Cap d'évasion. Ça sera un peu plus profitable, je pense. Quoique. Bon, c'est gratuit. Si tu veux rien y faire. Allez. Poc. Paf. 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 Atta. Paf. Nickel, ça. Oh non. Ah, ça m'a rien fait alors que je suis à côté. Wesh. Bam. Encore. C'est bon, j'ai compris que t'étais pas content, wesh. Oh non, le lieu! Ouh là là! Mais c'est. Il y a trop de paillettes là. Il y a trop d'effets pyrotechniques. Il fait quoi? Il fait quoi? Oh waouh! Oh, j'ai ce qu'il sent le vouloir. Ouf! Non! C'est la folie. Il est trop dark. Wesh! Oh là 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 là. What the fuck? Mais il est trop vénère! S'il te plaît, arrête-toi. Non, je suis pas là. Baf, baf, bam! Ah merde! Je pensais qu'il flinchait une chaîne! Je me sens dragonifié! Oh! Qu'est-ce que. Waouh! Faut leur arrêter les effets pyrotechniques! Ça suffit. En tout cas, il est excessivement ultra méga stylé. Waouh. Je tapette un peu. Hein. On va se le cacher. Moi j'ai ça, moi, c'est gratuit. Wesh. Ouh oh les dégâts. Wesh, attends. Attends, je vais réfléchir. Méga popo. Ah, c'est gentil. Stop. Non. Yeah.
Ah mais non, d'accord, donc en fait, je crois qu'il flinche vraiment, mais en fait, il a une sorte de contre, quoi. Quand ça flinche et hop, je mets une baffe, comme si de rien n'était, quoi. C'est genre super chiant, en fait. Ouah, mais calme-toi, frère. J'en veux ça. Il y a d'autres explosions cristallines. Je vais peut-être pas tarder à arrêter d'être énervé. Bah, mais s'il te plaît, arrête-toi. Non, mais c'est bon, là. Je râle. J'en ai marre. Ouais, vas-y, va-t'en. Je vais quand même prendre les empreintes. Bonjour! Oh, t'es sérieux, là, quoi? Mais il remonte! Vas-y, redescends, toi. Bon, ça devrait aller. Wouhou! Oui! C'est génial, je prends mes affaires. Bam, bam. Allez, on se fait plaisir! C'est le moment! Wesh? Non? Ah ouais, mais non? Il vient pas de faire la toupie Beyblade là? Une énorme torpille? Qu'est-ce que. Je suis pas con. Bon, en tout cas, je l'ai pas pris l'attaque. Je crois qu'il vaut mieux. J'ai failli faire une bêtise. Ah, mais je l'ai empoisonné! Oh, super top tout ça. Attends, j'ai vraiment pas pris de petite bombe. C'est quand même dramatique ça. Et au pire, je tape dedans. Partie détruite. Bah voilà, excellent tout ça. Oh, tout de suite, il est pas content, forcément. Ouais. Attends, mais même quand il court, il laisse des... Ah. Tu me donnerais pas ça. Ouais. Ah ah. Tiens. Bah, qu'est-ce que je fais sur la patte, moi? C'est pas grave. Dame. Ok, allez. Pataclop, pataclop, pataclop. Oui. Un petit rodéo aussi, ce serait pas mal. Mais bon, faut... J'arrive, j'arrive. Pousse. Ouf. Ah. On peut aussi lui enlever son truc. Nice. Nickel, ça. Bam. Ah, ça va faire du bien là. Je viens. J'arrive. Attends encore un petit coup. S'il te plaît. Boum. Yeah, boy. Bon, ça aussi là. Faut pas laisser traîner, faut que ça se coupe ça. En vrai, ce serait toujours bien. Ouais. Hein. Mais pas assez. Oh. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule des fois. Allez, on se fait plaisir. Oh bah quel dommage. J'avais pas fait gaffe à la musique là. Ils sont amusés, je crois. Ils se sont dit, allez, on va rajouter un petit côté rock, des batteries. Allez, vas-y. Boum! Oh yes, ça c'est bien ça. Genre ultra mal placé, mais c'est pas grave. C'est parti, la tête. Bam! C'est très très beaucoup bien ça. Et il est encore empoisonné? Nickel ça. Visage! Badaboum! Allez, salut. T'as pas laissé une petite empreinte là pour me faire plaisir? Si. Voilà, excellent tout ça. Ah non, j'aurais pas dû mettre celle-là, bon, tant pis, c'est pas grave. YOLO! Et forcément, je l'ai pris. Ah oui, non, bien sûr. Ah, j'aurais mieux fait d'aller ailleurs. Genre la queue. Peut-être. Boum! Oh yes. Ok. Attends, je prends ça. Est-ce que j'ai toujours mes besoins? Normalement oui, il m'en reste. Bonjour. Bonjour. Salut. Ok, bah ça va. Je viens pas du tout prendre une besoin. C'est gentil. Allez, allez, allez. Encore un petit coup.
Allez, c'est gratuit, j'offre. Yeah, boy. Ok, comment ça me fait perdre un temps énormissime. Ah, et on peut peut-être prendre des trucs sur son dos, j'ai pas capté. Mais... c'est pas bien ça. Je saute. Ça m'a pas touché. Magnifique. Allez. Oulala, il est vraiment pas content. Je suis pas là. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est bon, un moment. Ah ouh. Il enchaîne de ouf, celui-là. Il est dingue. Il est dingue. Allez, on va se reprendre ça. Hop, DB Swag. On va se mettre l'autre cap. Me sentir un petit peu plus à l'aise, je pense. Bam, tac. J'y fais... Mes frères. Mais laisse mon chat. Allez. Ok. Ah, le contre. Non. Ma cape magique. Oh non. C'est pas possible. C'est beaucoup trop intense là. Oh genre ça m'a coupé mon soin. Vas-y, vas-y, amuse-toi. Bouf. Non. Ah, c'était la... C'était pas grand chose de près. Attends. Ah, je le fais trop tôt en fait, je pourrais esquiver tellement simplement. Je crois que j'ai pas envie. Ok, explication de ce qui est en train de se passer. D'accord, ok. Bonjour. Oh. Je saute. C'est pas que j'ai mal, mais un petit peu. Ah oui, mais non. Ça y est, ça commence. Oui. Ok. Ok. Ah, je te dérange pas trop. Allez. Oh, le vilain. Il s'en va comme ça, là. Et il a bien un peu de santé à rendre, celui-là. Ouais, mais là, t'es beaucoup trop loin d'un mur, en fait, pour moi. Allez. Oh, bah dis donc, monsieur. C'est bon, ça va le faire. Regarde ce beau mur encore. Ah, je vais casser quelque chose. Ah non, je sais pas. Bon, je crois que je peux rien ramasser, ça m'a pas proposé. Bonjour. Ouh non, je dors. Mais il a pris le poison. Et il va décéder. Et bah voilà. C'est pas si dramatique en fait, tout va bien. Oh, le petit toutou, il a mal. Je vais poser faire dodo à côté de moi. Non, viens, viens maintenant. Oui! Quel dommage! Je t'ai coupé, hein! Bravo, partenaire! Retournons à Celiana faire notre rapport. Yes! En tout cas, il est super stylé. J'aime beaucoup. Ah! Et bien, du coup, c'est bon pour ce Xenoxtygien, je suppose. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Une petite promenade. On n'était pas supposé rentrer? Je dois vous montrer quelque chose. Allons-y.
Amiral ? Qu'est-ce qu'on va trouver exactement ? Il ne dira rien. Il veut que nous le voyions de nos propres yeux. Nous y sommes. On descend ! Qu'est-ce que c'est ? Par ici. T'as fait une sacrée trouvaille, hein ? Je vais voir. Cette texture, on dirait la mue d'une peau. Comme une sorte de toile. Non. Un voile. Impossible. Le Xenogiva. On dirait qu'il a mué de nombreuses fois ici. Ça veut dire que... Oui, j'en ai bien peur. Quelque chose de mauvais se prépare. Nous devons nous réunir. Dépêchons. Très bien. Bon bah, on sait qu'il va y avoir un autre monstre juste après, alors super. Allons-y. Prendre tout. 13 inoxtygien, cortex, cristal pur, garde-dragon, cerveau, joyau, os solidos, sphère d'armure dense et os robustos. Joyau de niveau 4, destructeur et expert en survie. De l'argent, des points, rang, maître, même pas 88. Nouvelle quête libre. Ah bah forcément, et eh oui, je l'ai capturé. Super. Non. Elle veut nous parler, mais non. Eh ben non. Ne pas avoir froid aux yeux, le biome de la toundra du fief glorieux a été découvert. Vous y trouverez des monstres et des points de récolte qui n'apparaissent pas dans les autres biomes. Utilisez des matériaux obtenus en toundra pour forger des optimisateurs. Vous pouvez également augmenter le niveau du biome en enquêtant sur les monstres. Eh ben ça nous fait une nouvelle zone, incroyable. Et du coup, forcément, pas de mission, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans les quêtes libres, normalement, j'ai mon arène spéciale Zinogre Stygien. Ça marche, ok. Et bien du coup c'est la fin de ce petit épisode. Yes, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air sur le petit pouce en bas, c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Le prochain coup du coup, ben on verra soit pour faire la petite quête libre, soit pour avancer RM, mais en tout cas mission spéciale, on met de côté pour l'instant. Mais voilà, sur ce, portez-vous bien et salut tout le monde.